Voiture coincée entre deux murs, une autre suspendue au-dessus du trottoir. Peu de choses ont résisté à la force de l'eau, pas même ce conteneur à gaz rempli de bouteilles, ni même ces appareils électroménagers qui dévalent la rivière. Quelques heures plus tôt, l'eau atteignait par endroits plus de 2 mètres, comme le montrent ces images amateurs. Certains automobilistes ont pu quitter à temps leur véhicule, emporté par la rivière. Ce pilotin a eu plus de chance. Des vingtaines d'années, cinquantaine d'années, toujours garé là. Et puis, les temps qu'elle m'a adapté, il y a là, nous pas arrivé à faire rien. Si madame m'a visité, m'a regardé, la nuit, l'auto a parti, l'auto moi même a parti. Moi, puissant, m'a ça fait rien, moi, là, qu'a gardé l'auto. Mais si bon Dieu, il reste garé, il reste couru là, m'a qui m'a. Les pompiers ont secouru une quarantaine de personnes, mais craignent à ce moment qu'il n'y ait plus de victimes. Montée des eaux, véhicule dans le lit de la rivière, donc nous devons savoir si effectivement c'était des véhicules tout simplement en stationnement ou tout simplement des véhicules avec conducteurs qui n'ont pas pu à un moment donné les quitter, ces véhicules. Dans le bourg, des résidents s'improvisent agents de la circulation. Madame, faites marcher rien pour qu'on puisse sortir, madame. Sinon, nous tout cas, j'ai à redire. Tandis que d'autres s'affairent au nettoyage, encore sonnés par la force du phénomène. Bon courage à vous, j'espère que les autorités viennent nous voir. Nous, effectivement, connaissons de la zone, ça va un petit peu l'étendue des dégâts. J'ai la porte derrière qui ne s'ouvre même pas, parce que bon, d'accord. Ça a défoncé la porte derrière. Vous avez eu peur, madame? J'ai pleuré, monsieur. Ah oui, j'ai jamais vu ça de ma vie, jamais, jamais. La première fois que je vois ça. Jeanne. Tout ce qui est au rez-de-chaussée, complètement perdu. Réfrigérateur, congélateur, chaise, table, tout est parti. Ça s'est fait en combien de temps? Très rapidement. J'ai perdu une table, des chaises, presque tout. Un côté de fenêtre, tout. Et là, je suis tout seul à nettoyer. Je m'appelle Madame Salomon. Comme ça, mon fils va me voir, il va voir l'état de la maison. C'est la première fois que je vois l'eau monter ici, vous pouvez bien plus. Surtout sous le pont là, je n'avais jamais traversé le pont. Déjà la merde totale. À 15h, des pluies diluviennes s'abattent toujours sur la commune de Rivière-Pilote, déjà durement touchée par ces inondations, laissant craindre une difficile soirée pour les habitants de la commune.